Salut à la SSM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 en prévision de la sortie du nouveau contenu qui va arriver très bientôt, puisque là maintenant on a déjà d'ores et déjà la possibilité de le tester sur la release candidate, donc tout le monde peut y accéder. Il y a des choses qui sont certainement payantes lorsque ça sortira de façon officielle. On va tout de suite aller voir un petit peu le changelog. Donc on se retrouve sur le forum de Reiza, donc il parle de plusieurs choses, il y a pas mal de physiques qui ont été revues. Beaucoup de véhicules, vous voyez les classes ici qui ont été revues, ici partiellement, et tous les autres n'y sont pas pour l'instant, mais ça va arriver. Au fur et à mesure, certaines vont quand même être améliorées. Donc voilà en gros ce qui est prévu pour la physique des véhicules. Au niveau du contenu, forcément, alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, le circuit de Barcelone, donc anciennement avec la chicane et avec, enfin sans la chicane, celle qui court aujourd'hui. Donc ça c'est le contenu principal. Ensuite il y a la physique qui a aussi été améliorée sur ces véhicules-là. Au niveau de l'interface, plusieurs choses aussi qui ont été modifiées, l'audio, les pistes. Voilà, en véhicule, il y a la F Junior qui a été rajoutée, si je ne dis pas de bêtises, et la USA, celle qui était disparue, qui était reviendue, qui est repartie. Enfin bref, un feuilleton. Alors je ne sais pas comment ils l'ont contourné. Est-ce qu'ils ont eu vraiment la licence ou est-ce que vraiment, comment dirais-je, ils ont modifié le modèle 3D pour dire que ça ne correspond plus au réel. Je vais vous le montrer. Je vous montrerai les deux. Je vais vous montrer la Junior et comment dirais-je la USA Formule USA tout de suite. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est je vais pas faire du roulage vraiment, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez deux types différents, un moderne, un très ancien. Donc voilà, au moins ça permet encore une fois de se faire un choix plus large dans MS2. Ça reste de la monoplace, je sais. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, en l'état, je ne sais pas si ça va être payant, gratuit, j'en sais rien du tout. Là, c'est vraiment pour tester. Par contre, je vais vous montrer le circuit de Barcelone qui est vraiment super bien fait. Je l'avais déjà vu sur la version fermée, donc il n'y avait pas de public, il manquait pas mal de pubs. Là encore, hein, c'est une early access, donc ça demande à être optimisé et amélioré. Mais en l'état, voilà, je vous propose 5 tours avec les formules nouvelle génération Ultimate Gen 2, donc avec les skins, peut-être pas 2023, mais voilà, les skins se rapprochant de la saison actuelle. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, c'était pour vous présenter un petit peu le contenu qui va arriver sur MS2. Et on se dit à une prochaine, bonne course, bon visionnage, tchuss!
Voiture à droite. Voiture à droite.